Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Matland, un jeu édité par Artax Games. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Aujourd'hui, je m'adresse aux chasseurs de succès. En effet, je vous propose 1000 jets en moins de 20 minutes. Oui, vous m'avez bien entendu, en moins de 20 minutes. Il vous suffira juste d'avoir de bonnes bases en maths. Hein? Choisissez votre niveau. Bon, comme j'adore le challenge, j'ai pris le niveau avancé pour les plus de 7 ans. C'est parti! Et on rentre directement dans le vif du sujet avec les additions. Ici, vous devez tout simplement trouver la bonne réponse pour obtenir un maximum de longue vue en un temps limité. Moins d'une minute. Pour augmenter votre score, eh bien, privilégiez les réponses vous faisant gagner quelques secondes ou bien ceux multipliant votre récompense quand vous le pouvez. Une fois que vous avez obtenu un certain nombre de longues vues, nous allons pouvoir nous diriger vers notre première île, celle des additions, et gagner ainsi notre tout premier succès. Pour gagner, vous devez accomplir l'objectif. Ici, on vous demande de trouver 50 pièces. Sur chaque île se trouve un mage qui vous proposera une série de calculs en échange d'une clé vous permettant l'ouverture de la porte et ainsi l'accès à un coffre, ce qui mettra fin à cette section. Voici donc l'épreuve des calculs, vous le voyez à l'écran, il vous faudra faire 5 bonnes réponses pour obtenir la clé. Vous le voyez ici, je n'ai pas le nombre suffisant pour aller sur les prochaines îles. Alors pas de panique, je retourne dans la zone de maths et en échange d'un certain nombre de pièces, je peux refaire une série de calculs dans un temps limité pour obtenir des longues vues. Là, vous l'avez vu, je m'entraîne aux soustractions. Je vous avoue que c'est pas forcément mon point fort. Nous pouvons dès à présent aller sur les prochaines îles, donc retournez sur île, puis faites retour. Nous allons pouvoir maintenant nous attaquer à l'île des soustractions.
Alors, pareil que précédemment, ici, vous devrez trouver 100 pièces, puis effectuer une épreuve de calcul auprès du mage, les soustractions en l'occurrence, pour obtenir la clé. Ensuite, ouvrir la porte. Et enfin, ouvrir le coffre. Pour le prochain succès, rien de bien compliqué, il vous suffira simplement de tourner le joystick gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. On va se diriger dès à présent vers la mer des multiplications. Ici, ce ne sont plus des pièces à ramasser, mais plutôt des objets à collectionner. Yeah.
Vous le voyez, pour l'île des comparaisons, je n'ai plus de longue vue. Alors à nouveau, je retourne dans la zone des maths et je tente de faire des calculs plus balèzes pour avoir un meilleur score. Après deux parties, j'ai suffisamment de longue vue pour m'attaquer aux deux dernières îles restantes. Donc on repart sur l'île des comparaisons.
Et voilà, 12 succès en moins de 20 minutes, alors rien ne vous empêche de terminer le jeu à 100% par contre. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.